Initiating system 1. System 1 loaded. Hey, how are you? C'est Kensho et je suis de retour sur Fallout 4 pour faire l'épisode suivant. Donc là, je m'approche d'une salle. Regardez-moi tout ça. Nos scribes s'en donneraient à cœur joie ici. Je crois que c'est un silo nucléaire, je crois. Ouais, je crois bien que c'est un silo nucléaire. Les meneurs devraient se trouver dans la salle de commande, au-dessus du réacteur. Ok, d'accord. L'ascenseur a l'air hors service. Il faut continuer à descendre. Essayez de rétablir le courant dans le complexe. Il doit bien y avoir un générateur, s'il y a quelque part. Allez explorer la zone de maintenance. Reste ok. Je sais pas si c'était dans le... Ouais, je crois que c'était un peu dans l'autre vidéo. Mais je crois que j'ai déjà fait... Là, ça, c'est... Là, ouais. L'arme. Hop. Tac, tac. Disque. Ok. Tac. On voit ça. Tranquille. Hop là. Joli. Alimentation du réacteur rétablie. Nous avons un problème. Moteur thermique alimenté. Activé et prêt pour la mise à feu. Ok, donc maintenant, allons-y. Les capacités effectives. Fascinant. Tiens, ça fait trop beau. Dans Dance. Ok, on récupère ça, tac tac. On va s'acheter
passe. Voilà. Non, avec ça, ça ira. Je pourrais bouger tranquillement.
Ah ouais, ça se bourre, ok, on vient d'ici, tac tac. Là, tac, je suis allé. C'est pour descendre, ok. Échanger des trucs. Est-ce que tu peux récupérer ce Fat Man? Il est vraiment lourd. Que j'avance plus avec. Voilà. Sûr, on y va. Tac tac, ça
coche. Lanterne, bref. Hey. De la vodka. Ok. Donc, voilà. Allez voir ce que c'est. On parle avec monsieur. Allez voir ça. Paladin Dance. On peut dire qu'on a eu chaud. Ouais, mais mission accomplie. Oui. Mission accomplie. Bravo. Ça je peux pas le faire, mais. Je trouve qu'on forme une belle équipe, vous et moi. Affirmatif. D'habitude, les civils sont incapables de suivre des ordres simples. C'est un changement agréable. Il nous reste deux points importants à régler. Première chose, si vous voulez bien me remettre l'émetteur longue portée, j'aimerais vous récompenser pour votre rôle dans la réussite de cette opération. Je pense que cette arme vous donnera entière satisfaction. J'espère qu'il vous sera utile. Arme. Ok. Vous n'en avez pas besoin ? Ne vous en faites pas, j'en ai un autre. Les soldats de la confrérie ne partent jamais en opération sans armes de secours. Et pour le deuxième point, je voulais vous faire une proposition. La mission ArcJet était tout sauf une promenade de santé. L'opération aurait pu tourner à la catastrophe, mais vous avez gardé votre sang-froid et agi en soldat. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Vous avez toutes les qualités requises. Vous avez donc le choix maintenant. Vous pouvez passer le reste de votre vie de combat en combat, vendant vos services aux plus offrants pour survivre. Ou vous pouvez vous engager dans la confrérie de l'acier et donner un sens à votre existence. Okay. Alors, qu'en dites-vous ? Confrérie ? Ouais, je mets bien la confrérie dans Fallout 3. Ce serait un honneur de rejoindre la confrérie. C'est ce que j'espérais entendre. Retrouvez-moi au commissariat. Nous allons voir les détails ensemble. Ok.
Je vais vous laisser sur cette dernière